On va commencer par faire quelques rappels sur l'origine de ce projet et de ses motivations. Donc, déjà, on est dans une forme de séminaire qui est très différent de celui qu'on avait imaginé. Nous avions prévu dès le départ de ce projet de faire un séminaire de restitution de l'ensemble des travaux. Nous l'avions programmé au printemps dans la région de Poitiers. Et puis, le premier confinement nous a obligés à le décaler. Nous avions l'espoir de le conduire cet automne, donc aujourd'hui en présentiel. Mais là encore, il a fallu s'adapter aux circonstances. Et donc, nous sommes résolus à faire un webinaire comme beaucoup des séances collectives qui étaient prévues pour cet automne. Alors, ce webinaire, ce séminaire va être forcément sous une forme un peu différente que celle imaginée. Nous allons peut-être dire moins de choses et sous des formes plus d'intervention. Nous avions prévu notamment des tables rondes que l'on ne peut pas organiser aussi facilement dans ce cadre-là. Donc, on a dû effectivement s'adapter aux circonstances. L'intérêt, c'est que nous avons plus de 200 inscriptions à ce webinaire. Donc, je pense que nous aurons au cours de la journée un taux de participation bien plus élevé que ce qui aurait pu être obtenu en présentiel. Et pour votre information, en ce moment, nous sommes 131 personnes connectées. Petit retour donc sur le contexte de création de ce projet. Nous l'avons écrit en 2015-2016. Donc, il s'est déroulé sur la période 2016-2020. Il faut se rappeler le contexte de l'époque. 2016, c'est une crise laitière dans le lait conventionnel. Et une nouvelle vague de conversion massive en lait biologique, en agriculture biologique, mais particulièrement sur le lait. Et on connaît sur cette année 2016 un différentiel record de prix entre le prix conventionnel et le prix biologique. On est dans une vision très optimiste, mais on revit une nouvelle vague. Alors, du coup, c'est une vague là, positive, hein, une vague de conversion massive. Et donc, comme on a connu dans les années précédentes, notamment en 2009-2010 et dans les années plus avant encore, dans la fin des années 90. On est dans un phénomène d'accroissement brutal des volumes, donc on s'interroge sur notre capacité à les consommer et à les valoriser au mieux. Et ce n'est pas simplement la situation de la France, c'est aussi la situation de tous les grands pays producteurs de lait biologique en Europe. Et donc, on peut s'interroger aussi sur cette capacité d'absorber ces volumes à l'échelle européenne, notamment avec des stratégies de pays qui ont parfois des envies d'exportation assez massives. Parallèlement à ce contexte de développement de volume, on a aussi une évolution des profils d'exploitation qui rentrent en conversion. Alors bien sûr, les exploitations conventionnelles évoluent donc forcément puisqu'elles viennent en conversion à l'agriculture biologique. Eh bien, on va subir cette évolution passée dans le contexte conventionnel. Mais on voit arriver des exploitations de grande dimension, avec des très gros troupeaux parfois, et des motivations d'éleveurs qui sont plus hétérogènes que celles qu'on a connues par le passé, notamment peut-être un peu moins éthiques et un peu plus portées sur l'optimisation de la trajectoire technique ou de la trajectoire économique, avec parfois des objectifs aussi de performance technique, donc de maintien de productivité par vache, par animal ou par hectare qui nous interrogent. Dans le même temps, les analyses économiques nous montrent qu'on a quelques évolutions sensibles dans les performances économiques avec des niveaux de charge qui progressent, des coûts de production qui progressent et peut-être quelque part une érosion de l'efficacité économique liée justement à la modification de ces profils entrés en conversion. Voilà, tous ces éléments de contexte, ces éléments de situation nous interrogeaient et nous faisaient appréhender peut-être quelques risques par rapport au maintien des prix et de l'efficacité des structures dans un contexte futur. Alors, les questions donc qui se sont posées à l'origine de ce projet, c'était la question de la résilience. Je vais revenir sur cette notion un petit peu plus après. La question était donc de savoir si nos systèmes biologiques pour les filières bovine, ovine et caprine, puisqu'on travaille sur les trois filières animales en lait, la question était donc de savoir si les systèmes biologiques étaient aussi résilients qu'on pouvait l'imaginer. Et quelque part derrière, on se posait forcément la question de savoir s'ils l'étaient plus que les systèmes conventionnels. La question était aussi de savoir comment on pouvait apprécier cette résilience et comment on pouvait peut-être agir pour l'optimiser.
quelles étaient les pratiques, quelles étaient les stratégies, quelles étaient peut-être les structures, les éléments structurels de conduite qui faisaient qu'on pouvait optimiser cette résilience. Et puis derrière, il y avait aussi d'autres questions qui étaient sur les spécificités filières. Est-ce que, selon les filières, les niveaux de résilience et leur projection pouvaient faire apparaître des différences? Alors, la résilience, tout le monde a entendu parler de ce terme. Et tout le monde le comprend assez facilement quand on fait un petit schéma comme celui de gauche. Je vais activer mon pointeur. Je crois qu'il y est déjà. Donc là, vous avez ici ce petit schéma qui vous montre que la notion de résilience, c'est la capacité d'une exploitation ou d'un élément à récupérer son état d'origine après une chute brutale. Donc c'est cette capacité à revenir très rapidement à l'état d'origine. Alors, c'est facile à comprendre et on voit par exemple que si on est dans la flèche verte, on va avoir une résilience meilleure que si on est dans la flèche rouge, dans la trajectoire illustrée par la flèche rouge. Donc ça, c'est facile à comprendre. Et par contre, on va voir que c'est plus difficile à piéger à travers l'analyse des trajectoires, puisque même si on peut simplifier ici les choses en parlant d'un état de référence, bah, l'état de référence, c'est quelque chose d'un peu peut-être un peu illusoire. Les exploitations sont en perpétuelle évolution et donc elles bougent et l'état de stabilité n'est pas aussi visible et observable qu'on aimerait bien l'imaginer. Vous avez sur ce schéma voilà l'explication, les différences que l'on peut avoir sur les termes de résilience, de robustesse et même ici de résistance. Même si vous allez voir que souvent, et vous le savez aussi, vous l'avez constaté, que ces trois termes sont souvent confondus lorsque l'on parle de performance et de résilience. Donc l'objectif de ce projet, c'était de mesurer la résilience des systèmes laitiers biologiques. Nous avions pour objectif affiché d'évaluer ces niveaux de performance économique et les niveaux de résilience sur des échantillons plus larges qu'on avait l'habitude de le faire, donc en associant des bases de données qui était plus étoffé que ce que nous avions l'habitude de travailler, sur lequel nous travaillions à l'amont de ce projet. Nous avions aussi l'envie d'analyser ces facteurs de résilience et de mieux définir le concept en tant que tel, et d'identifier les facteurs et de voir comment se comportaient nos systèmes biologiques laitiers face à ces facteurs de risque identifiés. L'idée, c'était quelque part d'essayer de concevoir des systèmes qui pouvaient mieux anticiper ces risques et mieux et être plus résilient à l'approche de ces risques s'il s'est trouvé confronté. Alors, la résilience, là, qui est au cœur de notre projet, on avait mis autour un certain nombre de risques déjà identifiés. Vous allez voir dans les interventions suivantes qu'on a travaillé sur l'ensemble de ces approches. Bien sûr, il y a les questions d'évolution du prix des produits, du prix des intrants, des charges. Il y a l'efficience économique qui aussi conditionne des capacités de résilience des systèmes. Il y a les phénomènes de marché, de consommation qui interviennent aussi dans la résilience des exploitations à travers notamment la question des prix, la concurrence étrangère, les concurrences étrangères, l'évolution des structures et leur modalité de transmission, et puis aussi parfois des choix techniques et des stratégies techniques, des stratégies de système qui font qu'on va être plus ou moins exposé à certains risques et donc plus ou moins dégrader ou optimiser cette résilience. Et puis j'ai mis ici le facteur humain qui est non négligeable et j'aurais pu rajouter aussi ici le facteur Covid qui n'était pas prévu et qui est intervenu comme un élément de perturbation de l'équilibre qui lui aussi est un facteur de risque qui est à mettre dans le contexte. Le facteur humain, vous allez le voir, est certainement très prépondérant dans les facteurs d'acquisition de résilience et de niveau de résilience des systèmes, puisque c'est sans doute aussi l'élément sur lequel repose la capacité à gérer ces éléments de risque au mieux dans certains contextes. Et l'homme ici est particulièrement déterminant sur la performance et la capacité à piloter ces différents risques en situation d'exposition. Alors, pour conduire ce projet, nous avions un partenariat assez large, puisque nous étions sur les trois filières, bovine, ovine et caprine. Donc,
Les partenaires étaient l'Institut de technique d'agriculture biologique, l'ITAB, l'Institut de l'élevage, l'INRA, la FNAB, Agrobio 35, la coordination agriculture biologique des Pays de la Loire, la Chambre d'agriculture de la Drôme, de l'Aveyron, le pôle bio Massif Central, l'AVEM, Serre France, Ellipse, APABA, Agrobio Poitou-Charentes. Et puis nous avions aussi trois lycées, les lycées de Coutances, de Saint-Genès-Malifaux et de Sainte-Afrique. Alors sur ces trois lycées, j'aimerais dire qu'ils ont été particulièrement présents et productifs dans le cadre de ce projet. Ils y ont trouvé toute leur place et nous ont apporté beaucoup d'éléments de réflexion, nous allons le voir au cours de cette journée. Et puis nous avions quelques autres partenaires associés, comme le réseau Forma Bio, l'agence Bio, le CNIEL, l'INRA de Mirecourt, le CIVAM au Bocage, la PCA et la Fédération régionale des agriculteurs biologiques de Bretagne. Pour introduire et finir cette introduction de journée, je vais simplement vous rappeler le plan de cette journée. Donc, aussitôt, là, nous allons enchaîner sur une première thématique présentée par Catherine Experton de l'ITAB sur les facteurs de résilience des élevages laitiers bio, la perception des risques. Elle sera accompagnée d'Augustine Perrin de l'INRAE. À la fin de cette intervention, nous aurons un temps de questions. Et donc, vous pourrez les exposer à travers le chat et nous les mettrons à l'affichage pour répondre à certaines d'entre elles. Celles qui n'auront pas trouvé de réponse, je le répète, pourront avoir des réponses à l'issue du séminaire par retour écrit des intervenants. À 11h, nous aurons une intervention de David Roy, enfin, ce sera collégial, avec David Roy, François Malleçon et Augustine Perrin et Guillaume Martin sur les freins d'installation en agriculture biologique, les besoins pour l'enseignement et pour le conseil. À 12h, avec Catherine Experton, nous ferons un petit point sur les différentes références produites et les lieux où vous pourrez les trouver. Nous ferons une pause vers 12h15, nous l'espérons sans trop de retard, et nous reprendrons à 14h sur une intervention autour des perceptions et perspectives pour le marché bio pour les 5 prochaines années, quels sont les risques pour l'avenir et la dynamique des filières, par Benoît Baron de l'Institut de l'élevage, qui a mené en 2019 une large étude au niveau national en interrogeant de nombreux acteurs des filières laitières biologiques. Il fera aussi quelques approches plus élargies au niveau européen, puisque nous avons conduit ce type d'enquête chez les principaux producteurs laitiers biologiques en Europe. Et à 15h45, nous l'espérons sans retard également, nous aurons une conclusion de Nathalie Masbou, administratrice de l'ITAB et éleveuse en production caprine. Voilà, sans plus tarder, je vous remercie de votre attention et nous allons enchaîner sur l'intervention de Catherine Experton et d'Augustine Perrin.